In Tunisia, the notion of terrorism was used by former President Ben Ali to stigmatize demonstrators by accusing them of unpardonable terrorist acts. This happened on January 10, 2011, 2 days after Tunisian security forces had begun deliberately killing protesters. This is not an isolated phenomenon. Last week, Colonel Gaddafi of Libya has accused demonstrators to be drugged by Al-Qaeda fighters, and by using the stigma he used of terrorism, he justified the use of brutal force against them. These remarks stress again the importance of well-defined terrorism offenses. Other countries, such as Egypt and Algeria, that are contemplating replacing a state of emergency with a proper counterterrorism law, should keep this in mind. Broad and vague terrorism definitions and their abusive use to suppress dissent proved to be a galvanizing factor in society, bringing together very different groups targeted by authoritarian regimes for various reasons. La révolution de mon peuple est venue affirmer une rupture avec les pratiques décadentes du passé. Le peuple tunisien s'est levé contre l'oppression et l'injustice pour mener une révolution lui permettant d'accéder à la dignité, à la liberté, à la démocratie et aux droits de l'homme. Ces valeurs universelles que tous les Tunisiens continueront à défendre et à mettre en œuvre avec engagement et courage. Dans ce contexte, la Tunisie procède actuellement à une refonte totale de l'ensemble de l'arsenal juridique. L'élection d'une assemblée constituante au mois de juillet prochain, ainsi que la révision des textes législatifs, afin de les mettre en conformité avec les conventions et traités internationaux, constitue l'une des tâches prioritaires pour le gouvernement de transition.